chère Balance, bonjour, comment allez-vous? Voici les horoscopes pour le mois d'août 2014 pour les Balances. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vénus et Jupiter, Vénus, c'est la maîtresse de votre signe et va faire un conjoint avec Jupiter. Donc, ce sont deux planètes très, très positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et Vénus, c'est la planète de la plaisir, c'est la planète de la joie, c'est la planète des relations, de la diplomatie et de nos valeurs. Donc, c'est quelque chose de très positif qui se passe. Et pour les balances, ça se trouve dans votre 11e maison. Et l'11e maison, c'est aussi une maison très positive parce que c'est la maison de nos amis, mais aussi la maison du futur et la maison de nos aspirations. Donc, c'est un bon moment pour les balances, pour réfléchir et pour penser à qu'est-ce que je veux pour le futur. Est-ce que je veux continuer ce que je fais ou pas? Et naturellement, ça a une conséquence pour votre profession peut-être. Donc, Jupiter dans votre 11e maison, mais aussi Vénus, ça peut vous donner beaucoup de la chance aussi. Naturellement, c'est un horoscope en général, mais si vous êtes célibataire, par exemple, Vénus dans votre 11e maison, dans la maison des amis, ça veut dire qu'on va peut-être tomber amoureuse avec un ami ou une amie. C'est possible, c'est tout possible. Donc, profitez-en de cette positive énergie en ce qui concerne vos amis, en ce qui concerne vos plans pour le futur. Et voilà pour les balances. Je vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt. Au revoir.